そろそろ本気で行こうかな。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau Naturezza Dreamco potentiel. Bien sûr, plein de news, etc. Des bonusco, etc., etc. D'ailleurs, la nouvelle bonusco de Dreamball plus, je crois, c'était des... Attendez, on va voir. Plus des carnets, je crois. Voilà, des carnets UR Max, ça sert toujours. C'est magnifique, plus les médailles League, on accepte tout. D'ailleurs, il y a eu la mise à jour du shop League PVP. Donc, ça fait, si vous avez tout gardé, tous les points, ça vous fait 4 tickets SSR. D'ailleurs, c'est la première fois que j'achète le ticket SSR du PVP. Ok. Il y a aussi le nouveau Morizaki Kalifazi qui fait son apparition, qui est vert, qui est dans le portail vert. On a le portail bleu aussi. Ah, il y a des événements. Ok, d'accord. Ok, pendant 10 jours. Ok, vraiment enseignement. Des ligues, match league, match PVP. Ok. C'est dommage, on n'a pas de ticket R+. D'ailleurs, les tiers plus, j'ai réussi à avoir le Salinas. J'ai réussi à avoir le Salinas vert. Ah bah si, je suis bête. Excusez-moi, je suis encore dans les vapes. Oui, ils sont là, les tiers plus, pendant 10 jours, qui restent là pendant 10 jours. On a 10 jours pour le faire, donc ça, je vais fermer ça tranquillement. Là, j'ai 47 Dreamball. Je pense pas que je vais invoquer sur le Dreamco. Voilà. La carte est belle, le dribble est magnifique, le dribble il le fait contre Tsubasa. En fait c'est Yuga qui essaie de dribbler Naturezza qui vient de rentrer. Et Naturezza stop Yuga, il tombe comme une merde. Après Tsubasa arrive sur lui, il fait une sorte de talonnade avec un effet rétro. Donc Tsubasa tacle et la balle recule. De Tsubasa, il fait un effet rétro qui le lobe et elle revient sur Naturezza. J'espère que j'ai été explicite. Allez, joueurs. Donc désolé aussi si j'ai pas fait de vidéo sur les nouveaux joueurs Kalifazi. De toute façon, Mitch était là pour vous les présenter aussi bien que moi. Donc il n'y a pas de souci. Ok, répertoire joueur. Bah, le Morizaki, il est là normalement, donc on va faire Morizaki en premier, comme ça, entre guillemets, on sera débarrassé. Il est là. Bon, bien évidemment, il y a le Morizaki, pour moi, qui reste le plus fort, c'est le Dreamco, le rouge. Le rouge Dreamco qui est là. Qui était là avec son beau maillot du Japon, très fort. Et le nouveau Morizaki. Attendez. Ça, c'est le Morizaki 97. Il est pas là. Ah bah il est pas encore dans le répertoire. Peut-être que c'est pas pour maintenant en fait. Peut-être que c'est pas pour maintenant. On va voir ça tout à l'heure. Quand est-ce que le portail arrive? Attendez. Alors, on va vite aller voir les Brésiliens qui sont au fond. Comme vous avez vu, regardez, le Salinas, je l'ai eu. Alors. Où est-ce que tu es, Naturezza? Ah, bah, il est là. Collection. On va aller directement voir la fiche limite break complétée. Hein, comme ça, on est tranquille. Il est attaquant et milieu offensif comme le Dreamfest. Il est rouge. Oui, rouge, pourquoi pas. Donc, il est World Youth, Espoir. Excusez-moi. Endurance 1099, 1120 si tu veux, 18033, attaque 5006, ouais 5007 même, tir 7000,
passe 5335, 12 000 en défense, 4050 tacles. Bon, contre 2007, c'est pas lui que tu as contré. 4007 en interception. Et physique 17 000. Rapidité 6004, puissance 5000 et technicité 5005, ballon haut et ballon bas. Bon, après là, tu vas me dire, ouais, mais l'Edco, t'as vu, les stats là sont pas terribles. C'est quoi ce joueur? Attendez le passif, regardez le passif. Par contre, il y a un hic, il y a un petit, une petite condition. C'est un passif que j'aime pas trop parce que ça t'oblige à une chose. Et vous allez voir pourquoi. Super remplaçant. Il prend 50% supplémentaire quand il rentre en deuxième mi-temps. Et c'est énorme. 50%, c'est juste énormissime. Sur Tsubasa IM, même à Tsushi dans sa dernière, dans sa vidéo analyse, le tir, je crois qu'il peut monter à 10 000. C'est énorme. C'est énorme. Avec le passif activé, c'est énorme. Désolé les amis, désolé. Alors, il a le même passif que notre ami Kals. Or Japon mondial Espoir World Youth paramètre plus 15% ou Japon World Youth 5%. Donc tu peux le jouer dans les deux teams. Et bien évidemment, la team principale, ça serait une Sudam World Youth ou une non-Jap World Youth. Donc tu as lui, tu as le cas déjà à 30%. Je pense que bientôt vous nous sortir un autre joueur 15% World Youth hors Jap, et là tu as des 45%, et là ça peut faire du dégât. Après, le souci, c'est que ce Naturezza là, il faut le jouer remplaçant. Si tu veux l'optimiser à fond, il faut le jouer remplaçant, et là ça devient vite un monstre. Dribble miraculeux, 275, qui montait jusqu'à 475, donc peut-être l'un des dribbles les plus forts du jeu, peut-être. Il faudrait avoir quelques dribbles du jeu. Tir de la feuille morte, planeur miraculeux, 390, donc malheureusement pour lui, il va falloir peut-être sacrifier. Si vous avez un Naturezza doublon fest, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez ce Naturezza là, il faut lui mettre le S à la place du A. Et vous le montez S99 ou un truc comme ça. Et en plus, il est là, stamp pour. Mais bon, moi, je trouve que le Naturezza Dreamfest, l'évolution du potentiel est vraiment fort, très très fort. Donc moi, si je l'ai pas lu, c'est pas trop grave en fait. C'est pas trop grave. Rideau Aurore Boréale, le tacle que notre ami Levin et comment il s'appelle, notre ami Tsubasa Rouge World Youth, qui a ce tacle S. Donc voilà. Ensuite, les compétences potentielles. Alors, il réduit 5% les effets de diminution par mettre face au nom japonais de type force. Il a le tir angle, forcément. Quand tu vois le manga, pourquoi? Parce que son tir est complètement sur le côté et la balle, elle revient avec l'effet rétro. Perd peu d'intensité même en déclenchant dans un angle fermé par rapport au but, pardon. Par exemple, si tu es collé à la ligne de tout la ligne de but, par exemple tu fais un corner avec ce Naturezza là et que tu fais le tir, c'est comme si tu avais tiré en face, donc c'est un truc de ouf. Le dribble, donc quand il dribble, l'augmentation de la distance est augmentée, donc c'est un truc de ouf. C'est à dire que si tu dribbles du milieu de terrain, tu es presque arrivé devant la surface de réparation, voire peut-être même la surface. Donc là, ils disent rien, mais il faudrait faire des tests. Augmentation de du full power, plus 20%, quand tu mets un but. Lorsque tu mets un but, donc c'est-à-dire que si tu mets ce Naturezza là, plus au Wakashimazu, au 97 rouge, ta barre de full power peut vite se remplir. Ça, c'est un truc de ouf. Et face à tous les Waka, il prend 5%. Donc c'est sympa. Donc surtout le Waka Dreamfest qui est vert en plus, donc il a le désavantage de la couleur. Voilà, donc ce Naturezza là, il peut faire très très mal au Waka Dreamfest. Donc voilà, on va voir vite fait où est passé le Morizaki. Hop,
On va voir les news. Il y a la coupe tech qui va arriver bientôt. Je crois que c'est. Je sais plus c'est quand. Je sais. Bah d'ailleurs, je crois que c'est peut-être aujourd'hui, peut-être. On va voir. Il y a aussi la première TS Farmab A avec la passe forte de notre ami Matsuyama. Alors, on va voir quand est-ce que le portail apparaît dans le jeu. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas encore le. Ah bah voilà. Voilà. Donc c'est le 21. Le 21 août, on aura le nouveau Morizaki dans le game. On va faire retour. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans le répertoire. La coupe tech qui arrive. On va voir si elle arrive aujourd'hui ou pas. Non, elle arrive normalement vendredi. Vendredi la coupe tech. Avec les récompenses, enfin avec les restrictions, etc. etc. Ok. Ça sera la bonne occasion de tester mon Hernandez Fest. Ça sera l'occasion, ouais. Ça a besoin de bien le tester. Donc la nouvelle passe à 80 notre ami Matsuyama, je crois qu'il vient aujourd'hui. On est lundi, je crois, à 16h. Je crois qu'elle est là à 16h. Donc ça vous fait déjà 3 Dream Ball à récupérer. Hop. Donc moi j'aurais 50 Dream Ball. Je pourrais invoquer sur le Dream Co, mais déjà le Dream Co, ça m'a jamais ça ne m'a jamais porté chance. Et là, comme je vous ai dit, on a eu des récompenses. Deuxième série, je récompense tous les jours, c'est 2 Dream Ball, donc ça c'est déjà bien. 2 Dream Ball, 2 Dream Ball plus exercice du potentiel. Jour 3, 2 Dream Ball plus 1 Rainbow. Quatrième jour, 2 Dream Ball, 2 Dream Ball avec ballon noir, etc. etc. J'essaie de regarder s'il n'y a pas un. Ah, le 8e jour, un Katagiri. Très important le Katagiri. Et 2 tickets SR plus pour le 10e jour et 2 Dream Ball. Donc on peut récupérer 20 Dream Ball en tout. Ce qui est très très bien. C'est bien. Merci Club. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il sait que ça? Il y a des nouvelles récompenses. Ok. Ah bah c'est ce qu'on a vu. C'est les missions événements. On va revenir. Et donc oui, pour la passe à 80 de Matsuyama, il y a beaucoup de joueurs qui partagent cette passe. Donc vous pouvez farmer pour plusieurs joueurs, ça serait sympa. Ça reste quand même sympa. Et le portail bleu, je crois qu'il est disponible dès aujourd'hui, je crois, par contre, lui. Lui, je crois qu'il est disponible dès aujourd'hui. Ouais, il est disponible dès aujourd'hui. Le Roberto, que j'ai toujours pas. Le AK, que je viens de terminer, le potentiel. Le Buna, que j'ai. Le Levin, que je cherche depuis très, 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 très longtemps. Que j'aimerais vraiment avoir. Voilà. Donc si vous cherchez les vins, c'est peut-être maintenant qu'il faut invoquer sur ce portail-là, vu qu'il est rate up. Hop. On va voir rapidement un petit truc vite fait. Vous avez vu, il me reste. J'ai fait Chopin des 3. Ah oui, j'ai dit qu'il est SSR à craquer avec vous. Je pense que ça va être sympa. On va aller craquer un par un. Donc comme vous avez vu, je cherche vraiment plusieurs joueurs. Mais bon, faut pas se voiler la face. Je pense que j'aurai des doublons. Allez, c'est parti. J'ai fait un par un. Donc le Levin bleu, bien évidemment, que je cherche. Bon, forcément, il n'y a pas de suspense. Allez. Après, il y a des doublons que je cherche aussi. Hein. Y a des doublons que je cherche. Donc on va voir ça tout de suite. Le Oeran potentiel, je cherche aussi. Doublon. Doublon, doublon, doublon. Peut-être que le. Je crois que lui, c'est un tacle qui donne. Donc peut-être que je vais mettre le tacle sur le rouge que j'ai, sur le Browning rouge. Bon, voilà. Donc ça peut-être me servir. Allez. Et il y a aussi le ticket SSR. En tout, quand on compte bien, on peut avoir 7 tickets SSR dans le mois. Parce qu'il y a le road qui arrive très bientôt aussi. En tout cas, l'animation fait plaisir, forcément. On en est à chaque fois, ça comme ça. Ce serait sympa, ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je laisse l'animation. Bon, ça fait plaisir. Non, mais je voulais pas lui. Non, mais Klinsmann, non. D'ailleurs, je l'ai pas eu, lui.
Je l'avais pas Klinsmann. Ça pour le mixeur. Bon, ça me fait un new. Bon, c'est pas le new que je cherchais. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, le Levin, ça fait presque un an qu'il est sorti. Parce qu'il est sorti pendant Noël. Toujours pas, quoi. Toujours pas. Allez, pas de doublon. Un nouveau joueur, ça serait bien. Pas fameux, hein. Pas fameux, pas fameux, pas fameux. Après, il paraît que lui, il est pas mal. Lui donne tous les joueurs verts. Ouais, voilà, 15%. Il a un bon leader skill pour une jambe verte. Allez, dernier ticket CSR. Après, pour les autres tickets CSR, si vous voulez savoir ce qui se passe, Twitter. Mon Twitter, les amis, vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas faire de vidéo pour à chaque fois vous montrer. Ah oui! Ah oui, le Shunkosho vert, bordel! Ah, je suis content là, là je suis très content. Ah, je suis super content. Par contre, si demain je l'ai en doublon, je serais content parce que je lui mettrais le tacle sur le Shunko rouge auto-interception. Ah, super! Ah, je suis content. Je suis très content. Tacle du tueur. En plus, il a levé du potentiel. Ah, je suis content. Il a une interception, il a un tacle. Bon, un contre, on s'en fout, parce que c'est un milieu défensif. Il a une frappe. Donc lui, ce serait. Je crois qu'il a une passe. Il a une passe, je crois. Farmable. Si je dis pas de bêtises. Il a deux spé farmables. Et face au Jap, il prend 15%. Ah, c'est énorme, 15% face au Jap. Et il donne à tous les Asiatiques. Non, tous les milieux défensifs ou Asiatiques. Donc Asiatique 7%. Et face au milieu défensif et défensif, elle prend 15%. Ouais, ça aurait été mieux milieu offensif. Milieu offensif et milieu défensif. Bon. Ah, je suis content. Très content. Ah, enfin un nuke qui fait plaisir. Il fait plaisir celui-là. Toujours pas le Levin bleu, malheureusement. Bon, bah, ça c'est pas grave. Allez, hop. On repart au menu. Les amis, c'est là-dessus que se termine la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Pensez à la liker, à la partager, à me mettre en commentaire si vous avez invoqué sur le Dream Collection, de me dire ce que vous avez eu, en combien de multi, etc. etc. Je sais que le Dream Co, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les taux d'Europe sont très sales. Ils nous disent 5%, mais j'y crois pas beaucoup. Faut pas se mentir, j'y crois pas beaucoup. Durant la campagne des 20 millions, je me fais cracher dessus. Tous les singles par jour qu'on nous offre, rien de rien, de rien, de rien. J'ai ni le Waka, j'ai ni le Tsubasa, j'ai ni le Shunkosho. Après, c'est pas forcément des persos qui m'intéressent, mais bon, voilà. Donc il y en a, dès la première multi à gratuite, ils ont eu du sale. Tant mieux pour eux, tant mieux pour vous. Moi, tranquille, de toute façon, je ne me prends pas trop la tête sur le jeu. On verra ça tranquillement. Je vous souhaite le meilleur pour le Dream Collection. J'espère que vous allez tomber du sale. Je vous laisse. Portez-vous bien. C'était Letko pour vous servir. Ciao.